Et maintenant, eh bien, on va découvrir Claudine Pinard pour le Canada. Le Canada, dont les gymnastes se préparent très souvent du côté de Montréal. Claudine Pinard étant une francophone. Flip, salto arrière, pied décalé. Elle avait encore la place pour un flip, mais elle n'a pas tenté. Bien, bien. Oh là, mieux maîtrisé que celui de Ruffato. Hein. Moins d'amplitude, mais c'était assuré. Progression arrière, toujours délicate. Ouh, ah, c'est la vrille poisson. Poisson, elle est très très bonne, cette petite Canadienne. 15 ans seulement. Il ne devrait pas être loin du podium parce que si Amanar et Gogian seront vraisemblablement bien placés pour emporter la première et deuxième place, encore que il y aura la chinoise tout à l'heure. Il y aura Elvire. Elle est pas mal, elle est pas mal. Voilà, Claude Pinard pour le Canada termine la première partie de la finale de la poule. Et on va regarder au ralenti donc l'évolution de cette Canadienne qui avait démarré difficilement la poutre et qui maintenant, grâce à ce salto avant, a peut-être obtenu une note très proche de 9,60. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la finale du saut et de la poutre après la sortie de Mademoiselle Pinard du Canada.